Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Play de I Am Alive sur PC. Et aujourd'hui continuons notre aventure. Dans la dernière vidéo nous avions récupéré une radio, c'est ça, voilà, un émetteur radio que l'on va devoir rendre rendre à Henry. Henry qui se trouve bien tout simplement dans l'appartement que nous avions visité. Apparemment, tiens. Apparemment on a un raccourci, c'est formidable ça. Parce que j'ai pas envie de me retaper le chemin en fait d'avant, c'est ça qui est cool. Alors on va passer par là, vous savez quoi. Mais c'est formidable ça. C'est génial, parce que j'ai pas du tout envie de me retaper tout le chemin en fait. J'ai déjà galéré, en fait pour me faire le chemin, donc c'est cool. C'est cool, on saute. Et on saute pas, et c'est dommage. Voilà, comment se louper une leçon, c'est cool. Chaud. De toute façon, on grimpe. Enfin, quand on saute, on sera grippe automatiquement. Parce que sinon, on ne peut pas sauter. Voilà. Donc, il y a quelqu'un apparemment qui appelait à l'aide. Je sais pas du tout où il est. Est-il derrière? Est-il ici? Y a-t-il des objets, tout simplement, hein? Ah, quelque chose là. Batterie ramassée. D'accord. Peut-être en avoir besoin d'une batterie. Il y avait quelqu'un apparemment ici qui avait besoin d'aide. C'est qui? You wanna know what life is worth now? Nothing. Not a cent. I like a man who knows how to charm a woman. Bah ça me fait plaisir hein, de vous avoir sauvé. Voilà. Enfin, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit vraiment hyper bien de donner de l'alcool à des gens, mais enfin, je pense que c'était ça de toute façon. Bon, en tout cas, voilà, ça nous fait une nouvelle tentative. Je suis pas trop mort dans l'absolu, hein, du coup, je vais peut-être éviter de trop m'utiliser des tentatives, hein, c'est un peu stupide de ma part. Pourquoi je vais là d'ailleurs? Je sais pas pourquoi je vais là. Je devrais pouvoir sauter quelque part, mais. Voilà, on va descendre. Ah non, mais mon con ça. Je vais juste descendre. Alors eux, voilà, donc on les a à peu près sauvés. Hein. On va dire ça. Donc je suis là. Ah, attendez. Donc, regardez la carte. Si je vais là, voilà. Si je vais ici, je peux continuer et revenir vers l'appartement. D'accord. Ok, bon, j'imagine que ça va être là, hein. Et on se retrouve une nouvelle fois dans la fumée. Ah oui, ben ça, il a mis juste là en fait. C'est cool. Par contre, comment on était parti de chez lui? Je sais plus, on était descendu ou. On avait grimpé quelque part, je sais plus. Vraiment, c'est là. Hein. Bah, c'est juste là, en fait, si je dis pas de bêtises. Ici. Ah non, pas ici. Ah bah non, bah c'est bon. Bah voilà, c'est parfait. Voilà, ça fallait juste rentrer à l'intérieur, je m'en souvenais plus. Voilà, bon, on y est. Hein. Donc on va lui rendre de son sa radio. D'accord. Donc l'hôtel. Putain,
c'est pas à côté en plus, hein. Aller dans les rues du centre-ville. On est reparti. En fait, c'est notre quartier général, c'est ça ici. C'est la zone où on va se rendre assez souvent. Moi, je vais juste me casser en tête d'ici, donc je vais laisser tranquille. Où est la sortie ? Je la trouve jamais la sortie de toute façon, c'est formidable. Voilà, c'est ici. Allez, on est parti. On va sauver la mère de la petite fille. Donc bon, apparemment, ça se passe, ça va. Comment dire? Elle est retenue dans un endroit assez étrange. Voilà. Là, ils m'ont refourgué où là? Ah ben d'accord, dans la sortie. J'ai un truc qui fait nuit, c'est ça? Mais attendez, mais c'est qu'est-ce que ces conneries là? Qu'est-ce que cette connerie là en voyant? Ah bon? J'ai absolument rien demandé là pour le coup, hein? Je suis désolé. Bon. Ah bah ouais, il met des balles là. Je les ai pas récupérées, autant pour moi. On va attendre qu'ils reviennent. Vous savez quoi? Mais c'est un truc de fou ça! Il me tire dessus sans. Ah, c'est pas, je sais pas, je comprends pas. D'accord, ok, donc on a un masque, c'est formidable. On va se reprendre un peu de vie de toute façon. Voilà, allez. On est parti, donc on a un masque. On a un masque et en plus on a notre... on appelle ça. On a notre... notre armure. Est-ce que je dois aller là? Hey, là-bas je suis content. Est-ce que là je récupère? Voilà, je récupère, oui. Ok, allez, on est parti. Il fait nuit, on voit rien. On va remettre la carte. Donc je dois aller. Putain, je dois aller là-bas, à l'hôtel. Ok. À gauche, normalement, c'est bouché. Hein. Je suis pas rendu là ici, en fait. Mais normalement, là-bas, ça doit être bloqué. Tab. D'accord, donc là-bas on peut y aller apparemment. C'est pas la bonne direction, d'accord. Le jeu m'indique quand même qu'effectivement on va c'est vers le parc. Donc là-bas aussi c'est là aussi c'est bloqué. C'est un truc de fou quand même, hein, cette zone. Enfin, j'aime pas moi le passage avec le brouillard comme ça, c'est bien relou. Alors, attendez, on va reprendre un peu d'oxygène. Voilà. Allez hop. Au moins déjà on a mis à jour la carte, c'est déjà pas mal. Et le jeu nous a dit très clairement qu'on ne doit pas aller de l'autre côté. Voilà, donc, je me posais cette question dans la dernière vidéo, savoir qu'est-ce que l'on avait de ce côté là-bas quoi. Et voilà, moi j'ai ma réponse. Allez hop, encore un soda ramassé. Je vais regarder assez souvent la carte pour savoir un peu où je dois aller. Alors quoi, attendez, est-ce que en fait là on a fait ce chemin là ici. On va descendre, on va reprendre le même chemin. Et on va peut-être même récupérer un peu d'oxygène si je peux. Voilà.
Là normalement, je récupère l'oxygène. Donc là, on est à l'endroit où en fait on avait le bateau. Hein. Je dis pas de conneries. Voilà, le bateau est là. Ok. Alors, on va redescendre de toute façon. Hein. C'est parti. Voilà. Donc là, ici, on va se rendre donc. Là-bas, on a encore une personne. Est-ce qu'on peut la sauver? Oui, on peut la sauver, mais je vais pas y aller. J'ai assez de tentatives comme ça pour le moment. On va remettre la carte de toute façon. Ça se voit un peu où on en est. Donc, on va tourner à droite. Donc là, c'est le chemin de la dernière vidéo. Là, c'est quoi ce bruit là? Il y a un truc qui s'est écrasé là, on est d'accord? Il y a un truc qui vient de s'écraser là. Parce que je suis là. Je suis ici, ok. Carte mise à jour. Alors. Donc pour aller là-bas, on va devoir passer. Je comprends rien du tout. Pour aller là-bas, je vais devoir donc descendre. Enfin, aller sur la droite, revenir au milieu, partir sur la gauche. Okay. Mais là, on a quoi ici? Je veux juste savoir ce que l'on a là en fait. D'accord, bon bah s'il est tout seul on va se la faire, il n'y a aucune raison de pas le tuer hein. Pourtant, voilà. Pourquoi tu m'as buté? Mais je crois qu'il y a quelque chose ici, non? Voilà, bouteille d'eau. Et j'ai dû me rendre ici en fait. Enfin, je sais pas, ça dit quelque chose sans moi. Qu'est-ce qu'il veut lui? J'ai pas de pommes, désolé les gars. Désolé. Il y avait la viande de rat juste à côté, je sais pas pourquoi ils vont pas manger, mais en tout cas, voilà. Bon. J'espère qu'ils étaient pas amis avec le mec que je viens de tuer, parce que sinon ils vont peut-être m'en vouloir. Hein. Tu vois qu'il va descendre, hein. On va se barrer d'ici. Il y a un truc qui s'est écrasé, mais c'est n'importe quoi donc. J'aimerais bien comprendre en fait ce qui s'est passé. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il perd autant de, enfin, pourquoi il perd autant d'endurance quand il descend une échelle. J'avoue, ça me laisse un peu perplexe. Alors attendez. D'accord, j'ai compris. Ouais, en fait, il faut aller sur ce bâtiment-là. Il y a peut-être la personne en fait qui est en train de crier depuis tout à l'heure, j'imagine. De mettre en haut. Quelqu'un là. Je sais pas pourquoi je l'ai tué tirer. Enfin si j'étais obligé, de leur tirer dessus, ils étaient trois. Il n'y a pas le choix. Ah mais le problème c'est que j'ai plus de. Bah oui, non, ça va être C'est nul ce que je viens de faire là. Oui mais j'ai pas de balle pour te sauver ma conne. Ça, il y a zéro munition dans cette zone. Young man, you have arrived just in time to watch me die. Attendez, on va pas sauver tout le monde non plus. Hein.
Moi je veux bien, mais bon, c'est bon. D'accord, ok. C'est mauvais plan, très mauvais plan, apparemment. On peut passer par là. Qu'est-ce qu'on a là, des munitions? J'ai de soin. J'espère vraiment que je suis sur le bon chemin. Enfin, j'imagine en tout cas, parce que il y a quand même beaucoup d'objets. Je sais pas. Je sais pas du tout si je suis sur le bon chemin, c'est un truc de fou. Vu que je vais être honnête avec vous, je ne comprends absolument rien à la carte, alors... Ah, il y avait une échelle, là. Attendez. Il y avait une échelle. C'est formidable. Ah. Où est-ce qu'on est, là? On est là, d'accord. Bon, je suis peut-être peut-être sur le bon chemin en fait, hein. Quoique, mais je reviens en arrière, non? Qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai dit des conneries. L'appartement d'Henri était là. Non, je reviens en arrière en fait, c'est n'importe quoi là. Mais ce que je fais, c'est revenir sur mes pas, parce que regardez, j'étais là, j'ai descendu, je suis baladé par là, tac, et là non, je reviens en arrière. Là, c'est débile ce que je fais là. J'avais jamais trouvé en fait ce bâtiment, mais. Bon allez, hop, l'avion, on va lui donner, sinon il va être chiant. Allez, encore une musique pour me sauver. Une nouvelle tentative, au moins si je bloque sur un passage, bah, ça sera toujours sur cette fait. Alors, c'est ce que là, il y avait un truc ici, je comprends pas ce que c'est ce... Je comprends pas ce que c'est que ça, en fait. C'est chiant. Y a rien. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre de ce bâtiment, parce qu'apparemment il y a rien à y faire. Enfin, voilà, je comprends pas trop ce qu'il faut. Enfin, ou alors j'ai oublié un truc, hein, c'est possible, mais là, je vois pas du tout comment on fait pour se rendre. Jusqu'à l'objectif, hein. Très sincèrement. Alors, attendez, regardons la carte. Si je passe par là, ben, je peux faire le tour là dans l'absolu. Voilà, si je passe par là en fait, c'est tout court. Regardez. Je grimpe là, là je vais sur la gauche, ben, je vais pouvoir prendre le chemin de la carte. Théoriquement en tout cas. Je sais pas pourquoi en fait il m'a mis ces flèches là. Le jeu m'a aidé. Hein. De toute façon, regardez là, on est où là? Ah non, c'est peut-être ça en fait. Hein. Ah oui, c'est ça, regardez. Là, je vais passer avec le grappin. Je vais remettre la canne nouvelle fois, pour être sûr. Je vais passer tac, tac. Ah, mais si, j'y suis en fait. J'y suis. C'est le bon chemin. C'est formidable. Voilà. Donc là, où est-ce qu'on est? Là, je peux descendre maintenant ici. Non, descends, s'il te plaît. Voilà. Et on est parti, alors on est parti pour aller là-bas, voilà. Et hop. Il y a un objet apparemment. Nostalgique. Ça fait toujours plaisir. J'ai un peu peur de voir ce que je vais trouver en fait dans cet hôtel. Apparemment les gens sont quand même devenus un peu zinzin. Hein. Les gants qui sont bon, les gants qui sont apparus, ça on les a vus, hein. Mais voilà, le coup de l'hôtel, j'ai un peu peur quand même. Ah, je me méfie de ce qui va se passer. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de marcher. Doucement, quoique, est-ce que je peux y aller comme ça? Sans mourir. Ah si, ça doit pouvoir le faire, là, regardez, on y est.
C'est bon, on y est. Allez, nickel, ça y est. Donc, bon, toujours cette tentative. J'ai toujours pas trop compris en fait pourquoi à certains moments on gagne des tentatives. Et pourquoi pas, enfin, j'ai pas trop compris. Alors, sauver la mère de Mei. Donc, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage et le sous-sol. Ok. Ils ont quand même fait des lieux, hein, vous avez vu, hein, des lieux assez clos dans ce jeu-là. C'est assez, assez intéressant. Ce qu'ils ont essayé de faire en tout cas. Ça c'est bizarre. I don't think he's one of them. Doesn't look like one of the guys who grabbed us. One of them broke my ankle while tying me up. We escaped and hid here, but I need to tape up my foot. Attendez, moi je suis juste, juste sauter un peu de l'autre côté, hein, ça dérange personne. Ah ben non, c'est par là en fait. Attends, hop là, magique. Viande de rat. Est-ce que je les aide? Ah non, on s'en fout, allez. Je vais pas les sauver. Allez. Je préfère garder mon dossier de sang pour moi, pour le coup, parce que j'ai pas de balles. Donc... Je me méfie un peu. Là, ici. Ah, attendez, il y a un objet là. Ben voilà, elles sont là les balles. Qui dit munitions, dit gunfight. Ça va, personne dans les toilettes. Tant mieux. Voilà, donc qui dit mission dit gunfight, du coup je vais essayer de faire attention à qui je vais rencontrer dans cet hôtel. You really don't like strangers. Looks like our friend has come through the wrong door. So much for introductions. Hang on. Rush him now. Merde. Bon, je me suis loupé. Bah oui, dernier point de passage, hein, de toute façon. Il fait n'importe quoi là. So much for introductions. Hop là, lui il est mort. Lui il est mort. Ok, ok. I'm at your mercy. Et lui il dégage. Voilà. Allez. On va dire qu'on s'est à peu près bien débrouillé. Faut jamais me tromper de touche. Allez, on va utiliser ça. Je suis désolé les copines, mais bon, je préfère me soigner moi que vous soignez vous. Ah bah tiens, on en a encore un là. Bon bah si jamais on revient tout à l'heure. Il ira peut-être me sauver, mais bon. Vraiment, c'est... Enfin, c'est pas ma priorité, hein, je vous dis clairement. Alors là, c'est la sortie. On va passer par là. On va trouver surtout un moyen en fait de monter. Je pense que ça sera le plus intelligent. Je pense qu'elle est peut-être tout en haut. C'est pas probable qu'elle soit au dernier étage. J'en suis quasiment sûr. Ouais d'accord, ouais, c'est parce qu'il me semblait, hein, c'est ils ont enfin un bordel. C'est un truc de fou ça quand même. Ah mais je suis con putain. J'ai été con là. J'ai été con, j'ai tiré avec mon arme, elle était vide. Qu'est-ce que je voulais faire avec ça? Putain c'est assez malsain quand même. Hein. Le concept de base là de cet hôtel est assez malsain. Franchement, je voyais pas du tout le jeu partir dans un délire comme ça, honnêtement.
Je m'attendais pas du tout à ça. Soit là-bas on a joué, je suis un produit là-bas. Mais... Ouais, je m'attendais surtout pas à ça. Donc, j'imagine qu'à chaque salle il va y avoir un combat maintenant, hein, donc on va devoir gérer tout ça. Je vais pas juste me proposer la plateforme en fait, là pour le moment. Pas... Ah, oula! Qu'est-ce qu'il vient lui? Qu'est-ce qu'il va faire là lui? Il est pas là lui. Je sais pas, je l'ai pas vu en tout cas, il vient d'où? Il vient peut-être de là, je sais pas. Peut-être que j'arrête de courir comme un connard. Bon, en tout cas, les balles ne sont pas limitées à 4. À 2, pardon, excusez-moi. Parce que, par contre, j'ai cru que les balles étaient limitées à 2. Parce que j'avoue que j'ai toujours 2 balles, mais par contre là j'en ai... Là, bon, j'en ai 3. That'll come in handy. Someone up there needs this. C'est pas mal comme ça, ça. C'est beaucoup d'objets. C'est cool. Gaspiller une balle pour avoir des objets de soins. Ça m'a l'air assez honnête. Enfin, gaspiller, utiliser une balle. Alors qu'il pourrait peut-être même prendre son couteau, je pense. Ça serait quand même une bonne chose, hein, plutôt que de gaspiller des balles. Moi j'ai dit ça, j'ai rien. On va peut-être même se soigner d'ailleurs. Hop là, allez. On a un peu de vie. Et continuons à monter tout au sommet de cet hôtel. Quatrième étage déjà, donc c'est le troisième étage, en fait il n'y a rien. C'est juste un escalier apparemment. D'accord, ok. Et les seules salles que l'on peut visiter, ce sont les salles en gris clair. Ou 4 étages, vous avez vu, voilà, on a fait dégager assez rapidement. Hein. Putain, je le sens pas du tout, c'est vrai. Attendez, ils sont là-bas ou quoi? And don't give me that look. It's not as if we haven't done this before. Faut que je trouve un moyen d'y aller en fait là. Oula, calme-toi toi. Ah, il y a quelqu'un derrière, putain. Il y a quelqu'un derrière, merde. C'est bon, je vais éclater. Je vais l'éclater lui, il va rien comprendre. Comment on fait merde. Mais, ah mais il est con ce jeu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi j'ai pas pu l'attaquer lui? J'ai pas compris ce qui s'est passé là. C'est pas grave. Là. Il faut que je trouve des missions par contre. Putain, c'est un truc de... Putain, mais c'est vraiment mal ça en fait. En fait, ils violaient. Bah, en fait, ils sont en train de. Il y a une sorte de trafic d'êtres humains en fait, c'est ça. Oh la merde. Merde, j'ai fait le con. Est-ce que je reviens à quel moment là? Je connais pas cet endroit. Je peux aller ici. Attends, je reviens normalement juste avant le combat avec les trois. D'accord, donc à droite. Alors attendez, à droite il y avait. Putain, il y a quelqu'un ou quoi ici là? Je comprends pas.
Attendez, je viens de là. Ça c'est... C'est un peu la birzie. Allez, recule. Voilà. Bon. Là, on a ramassé des flèches. Moi, ce que je veux, c'est des balles. Mon flingue. Parce que, voyez-vous, ils sont pas très commodes là-bas, les armées. C'est pas avec mon arc que je vais faire des miracles, très clairement. Ou alors, j'attends qu'il arrive. C'est un truc de fou ça, putain. Putain mais c'est pas possible ça, je comprends pas ce jeu. Pourquoi il m'attaque, je comprends rien là. Faut que je trouve un moyen de garder des balles. Ou d'en récupérer en fait. Alors là, putain, j'ai l'impression que c'est le. C'est n'importe quoi ici, c'est un. J'ai des recommencés à illimité en fait, c'est ça le truc, c'est un peu n'importe quoi. Est-ce que c'est présent dans le mode difficile, je sais pas. En tout cas, ça va, le jeu il est cool. Hein. Let me down. You promise to behave? Je peux pas descendre. Whatever you say, just let me down. Don't touch me. Si je peux descendre. Leftovers. D'accord, ok. Mais c'est pas le plus important en fait, la salade de fruits. Il faut quand même sauver la madame, et je pense que c'est elle en fait, la mère du gosse. Et là, je suis piégé ou quoi là. Ah non, ça va. Bon, alors attendez, faut que je réfléchisse là, parce qu'en fait j'ai que 3 balles. Faut que je réfléchisse. Ah, attendez. Faut que j'en égorge un, en fait. Hop là, là j'en tue un. C'est bon, je vais tuer comme ça, en fait. Bon, prends la tête. Voilà, au moins là j'ai des balles pour tuer deux cons là-bas. Et vu qu'eux ils ont des balles, bah du coup je vais pouvoir les déglinguer. Qu'est-ce qu'il veut lui? Où il sort lui? D'où il sort lui normalement? Pas censé être là? Bah, je sais plus. Je sais pas. C'est pas grave, on l'a tué. De toute façon, on s'en est débarrassé. Hop là, elle était cachée elle. Alors, on va se soigner. On va prendre un peu de vie. Parce que là, faut se concentrer maintenant. Mais j'avais une. Ah oui, non, mais les armes, d'accord, ok, je suis con. Ouais, c'est normal. Bouton là de base. Allez, il va venir, on va le tuer. Un autre à gauche normalement là. J'ai gagné. Bah c'est cool. Merci. Ça va. Donc encore en fait c'était pas compliqué. Il suffit d'avoir des balles en fait. Hein. Il suffit d'avoir des balles en secours et puis c'est réglé quoi. What do you want from me? What? I don't want anything. I'm just here. Don't come any closer. Don't touch me. Don't even think about touching me. Hey,
Look, I'm untying you. Okay? No problem. Who are you? I'm a friend. I don't have any friends. I'm with May. May? My daughter? You've seen my daughter? Where is she? Don't worry, she's safe. She's with Henry. And I'm here to get you out. Okay. Whoever you are, let's go. I think I know how to get us out of here. D'accord, faut que je la suive. Mais moi, il y avait une solution, tout simplement, c'était juste de prendre le chemin avant où je suis arrivé. Let's go through the subway. There's access to it through the basement of this hotel. We used the subway tunnels to get to Henry's place the first time. May didn't like it. She coughed quite a bit. Poor thing. I was trying to find her some medicine and I got grabbed. I've been so worried about her. She was coughing when I found her, but we did get her some medicine. I think she'll be all right. Where did you find her? She was on the street. With the dust, I thought she was my daughter. You have a daughter? Yeah. I haven't seen her in over a year, though. Je l'avais pratiquement oublié sa famille à lui, hein. On l'a mis un peu de côté, bon moi je pense qu'ils sont morts, ils sont disparus, hein, très clairement, et qu'il les reverra pas. Voilà, je suis quasiment sûr et certain maintenant. Can you check? Just to make sure the coast is clear. Bon, si elle dit ça, c'est dire qu'il y a des gens. Et s'il y a des balles, c'est dire qu'il y a des ennemis. Ben voilà. Des gens là-bas? I really don't like strangers. Calm down. Step back. Mais putain, mais. Ah, ils sont deux, c'est con. Ah non, même pas, ils sont même pas deux en fait, ils sont 8000. C'est n'importe quoi. Bon, faut que je tue le gars, mais. Ça sera déjà pas mal. Mais d'où ils sortent? Ah, d'ici, d'accord, ok. All right. Back. Mais non, mais vise. Quel abruti, celui-là aussi. Calm down. Hop là, eh, c'est bon. Back off. Oh god. Okay. No. Please, hey, wait. No. Don't shoot. Ah, mais c'est franchement c'est un peu compliqué ce système de combat, hein. J'ai un peu du mal, hein. D'accord, en fait il vient de l'endroit où j'ai fouillé en fait où j'ai fouillé la salle en fait, tout simplement. You should make sure we aren't gonna get surprised by anyone. Dire quoi, c'est qu'il y a encore des gens, c'est ça? Je pense que j'ai suffisamment tué de gens dans ce jeu quand même, hein. Je sais pas si on va avoir un écran de stats ou si on a un écran. Est-ce qu'on a été écran de statistiques? Succès. D'accord, on a des succès, mais on n'a pas de stats, d'accord. Normalement, j'ai tué tout le monde ici déjà. Je sais pas pourquoi il y aura encore des gens ici. Mais ces cons-là s'amusent à revenir, mais normalement. Que non, dans les sous-sols, je suis pas allé encore dans les sous-sols. Et j'aime pas ça parce qu'il fait sombre. J'aime définitivement pas les caves et les sous-sols dans les jeux vidéo, hein. C'est un truc de fou. Attendez, il y a des objets là. Récupérer, je pense pas vraiment qu'il y ait d'ennemis. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, le jeu devient fou ici, je comprends pas. D'accord. Bon, je vais même pas chercher à comprendre en fait, hein, vous savez quoi, hein, voilà.
On a quitté cet hôtel, c'est formidable. Oui, bon voilà, on a terminé ce chapitre. On va terminer celui-là, tiens. Allez, on va retourner chez Henri et puis je pense qu'on s'arrêtera là pour cette vidéo. Après, je crois qu'on n'est pas très loin de la fin, hein, théoriquement. On va pas être très loin. Alors, la carte. Voyons voir. Où est-ce qu'on est exactement? Pas du tout à côté. Chez Henri, c'est ici. Voilà. Retourner chez Henri. On va devoir reprendre le métro, j'imagine. Enfin, voilà. La route du métro. Ça va être un putain de raccourci, je pense. Parce que vu le chemin qu'on a dû se taper, je pense pas qu'il va y avoir de la plateforme de fou avec elle, hein, sur notre dos. Donc, je crois que ça va être assez rapide. Hein. Alors attendez, déjà on va s'occuper du gros là. Mais si je tire, allez hop. Voilà, c'est réglé. C'est sympa cet arc, ça me permet de gaspiller moins de munitions. Où est-ce que je dois aller? Ce côté ou l'autre côté? Normalement c'est l'autre côté. Théoriquement. Henri habite là-bas. Pourquoi on devrait se taper le chemin dans l'autre sens? Alors, hop là, on va grimper ici. Je vais laisser descendre. Voilà, ça a deux fruits. Enfin, je suis passé par l'autre côté, en fait ça sert à rien parce que j'aurais pu juste grimper là. Est-ce qu'elle m'aurait suivi l'autre? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Why have you stayed in Aventon? We couldn't leave. May's father was injured and couldn't move. I just couldn't bring myself to leave him here to die on his own. After he died, we just never had the means to get out. When did people start leaving the city? People could do nothing but step on each other to get on crowded boats, or risk burying themselves alive in shelters. How about you? I take it from your questions you haven't been here long. Why are you here? I lived here before with my wife and daughter. We weren't together when the event happened. I was on the East Coast. I got injured, and it took me all this time to recover and walk back. I arrived this morning. By the way, I helped Henry get the radio transmitter. Really? That's fantastic. He was overseeing the department's dispatch and communication systems. He knows quite a bit about how people were dispatched around after the event. But you know, we hear all sorts of things about the remaining survivor camps and shelters. We're trying to leave Haventon all together. C'est fou comment on avance vite dans ce jeu. Regardez, on est presque. Ben voilà, on est presque arrivé à la maison d'Henri. C'est formidable. Donc on voit des grandes distances et en fin de compte le jeu nous fait comme pas mal de cadeaux. C'est plutôt assez rapide les trajets. Là on a une séquence qui est pas vraiment intéressante. Regardez, on est revenu en fait dans le. Bon en fait on est revenu carrément dans son. Dans le garage. Simplement, enfin, dans le parking plutôt. Voilà. Bon, d'accord. C'était pas très 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 long hein, comme passage. Hein. Vraiment. Impossible for them to get too close to shore. They can't risk running around. We'll have to create
something to guide them in. A beacon. How are we gonna create a beacon? How about fireworks? What? Fireworks. I have a stash left from last New Year's, right before the event. Fireworks! Yes, fireworks! I love fireworks! You'll have to light those fireworks someplace nearby, above the fog layers. The high-rise building right behind us will be perfect. Ok, donc on est reparti pour aller dans les rues du centre-ville. En fait, on fait que ça dans ce putain de jeu. Et on va devoir aller ici, à la tour, pour récupérer apparemment bah, des... comment on appelle ça des feux d'artifice. C'est formidable. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre, et puis je pense qu'on va se quitter sur cette vidéo. Je pense que la prochaine sera la dernière. Hein. Véritablement, parce que il me semble que les feux d'artifice, c'est la fin du jeu. Ouais. Clairement. Parce que là, on va quand même essayer de partir de la ville, en fin de compte. Hein. On a passé une journée ici. Et voilà, on va se barrer, on va essayer d'aller au bateau depuis le toit du bâtiment, voilà. Donc, on va continuer cette aventure, je pense même qu'on va la finir dans la prochaine vidéo ou dans la vidéo suivante, hein. Donc on y est presque à la fin de l'aventure. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager la vidéo si vous avez aimé, et c'est le cas, je vous dis à la prochaine pour la suite du Let's Play de I Am Alive. Allez, ciao!